Ancien chef gang Gatsama Ozo, on a parlé de Germaine Joly, alias Yon. Eh bien, il est jugé jeudi mercredi 17 janvier devant un tribunal fédéral dans Washington, aux États-Unis. Yon pourra le juger pour divers chefs d'accusation qui liés, par exemple, à trafic d'âme, blanchiment d'argent, qui sont dans le kidnapping. Yon qui gagne actuellement 30 l'année. Il a fait cause d'état de prison étant. Eh bien, monsieur risque de passer 20 ans en prison. Donc c'est ça, journal américain, Miami Herald, les mêmes, les rapportés. Luxon de Saint-Ville, pour aller dans nos détails. C'est correspondant permanent, nous, la Kaito Tonsam. Germaine Joly, alias Yon, gen 4 douzaines chefs d'accusation sous dol. Accusation sa yon, gen pouwe à contreban zam en Haïti, violation loi américaine sous exploitation, et puis blanchiment l'argent qui sorti dans kidnapping. Ça qui permet de supporter violence gang dans le pays. Dans les armes qui rentrent dans la contrebande, nous jouons plusieurs fusils AK-47 et M1A, et puis tout en pile cartouche qui a percé même machine la police. Matériel ça a acheté dans une série marchand d'armes dans Miami, à l'autre zone qui en dehors Florida. C'est ça, acte d'accusation JA 2022 a précisé. Parmi preuves, le procureur américain ça a cherché à présenter. Gagné un appel dans le téléphone, yon yon te fait pour te capable de jouer une libération. Yon diplomate dominicain qui a une nationalité américaine, qui a bandi 400 maozo te kidnappé. Yon te kebe diplomate ça en otage, dans la date 29 avril 2022. Pendant l'in en prison aux États-Unis, Germaine Joly, tout le monde connaît son nom yon yon, te accepté aider FBI dans kasa. C'est ça, gouvernement américain dit dans document judiciaire au présenté yo. D'après sa journal Miami Herald rapporté, FBI été autorisé le relais gaspillage yon même actif dans gang 400 Maozo pour te coordonner libération otage là. Après plusieurs appels, diplomate dominicano-américain te joint machine li et ôté la gueule pour aller dans l'ambassade République Dominicaine en Haïti. Bien que yon yon te nan prison pendant kidnapping missionnaire américain yo, pour qui yon dit, li te joué yon rôle important dans libération diplomate la. Autorité yon fait konnen, li te montre, li te toujours gen contrôle gang 400 Maozo et li au courant de tout kidnapping ak lot vieza kap fèt nan base la. Gen l'autre preuve en kote an kou, communication qui t'est gagné entre Yon Yon et Elian Tunis, 44 l'année, une citoyenne américaine d'origine haïtienne qui habitait Pompano Beach, Florida. Selon procureur yo, Demoun sa yo te en contact souvent pour discuter sous qui type des âmes 400 Maozo besoin pour yo fonctionner. Madame Tunis te facilité monsieur yo acheter zam ak katouche bon côté yon série revendeur qui autorisé dans Orlando, Apopka, Miami ak Pompano Beach. Le ou fin achete zam sa yo, yo demonte yo, vlope yo nan divers sac poubelle noa, emballe yo en barade, souli ak lot founiti, et puis voye yo en Haïti pou gang nan ka itilize. Na fe konen pendant proses sa kap demare jodi mercredi ya, Germaine Joly alias Yon Yon risque pren yon peine maximale ki prale jusqu'à 20 l'année prison pour chef d'accusation qui pi grave la ki se exportation zam en Haïti sans li pat gen licence américaine qui approprié pour ça. D'après journal Miami Herald, procès a ta doué montrer qui façon groupe exam yo opéré en Haïti. Procès a doué fait nous rivé ouais tout lien qui gagne entre trafic zam en Haïti kap fait depuis États-Unis, violence gang yo à question kidnapping nan. Acte d'accusation fédérale l'a dit, gen au moins 16 gros âmes lagué qui acheté sorti mi-temps mois septembre pour albout mois octobre 2021. Yon yon ak madame Tunis accusé comme un qui a fait blanchiment l'argent international pour capable faire promotion crime ak violation loi fédérale américaine. La justice aux États-Unis identifié yon yon comme chef gang qui était responsable kidnapping missionnaire américain en Haïti. Dans le mois octobre l'année 2021, autorité américaine fait connaître lycée yon nan chef gang qui pis célèbre sous territoire haïtien qui t'a dirigé une série opérations criminelles et puis géré question négociation les gang 400 Maozo fait kidnapping. Après yon fin extradé sous territoire américain dans le mois mai 2022, Germaine Joly alias Yon Yon qui a 30 l'année pral fait face jeudi mercredi à qui ont procès avec assistant jury.
devant un tribunal fédéral dans Washington, depuis l'État Floride aux États-Unis. Luxon Saint-Ville pour Caraïbes FM. Merci un peu, Luxon Saint-Ville.